Bonjour à tous. Nous allons aborder dans cette première vidéo, alors c'est la première pour moi, donc elle sera peut-être et très certainement pas parfaite. Donc nous allons aborder l'application photo qui est intégrée à Windows 10. Cette application, elle va vous permettre notamment de créer des vidéos dans lesquelles vous allez pouvoir mettre des photos, des vidéos, du texte et de la musique de votre choix. L'avantage de ces vidéos, c'est que contrairement à ce qu'on a pu faire avec les diaporamas sous LibreOffice, c'est que cette vidéo, vous allez pouvoir la lire sur votre téléviseur, sur un DVD. Je vous ai fait une rapide vidéo de présentation pour que vous puissiez vous rendre compte des possibilités que vous allez avoir avec cette application. Donc, cette vidéo, dedans, j'ai intégré toutes les possibilités que vous aviez avec l'application photo. Donc, nous allons commencer par aller chercher cette application. Elle est intégrée sur tous les ordinateurs qui tournent en Windows 10. Pour la trouver, il vous suffit d'aller sur votre menu démarrer, donc le menu qui se trouve tout en bas à gauche de votre écran. Une fois que vous êtes sur le menu démarrer, vous faites défiler toute la liste des applications pour aller dans les P et vous allez trouver votre application photo. Photo ouverte, vous allez pouvoir aller tout en haut à droite et vous avez ici le bouton de nouvelle vidéo. Quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs propositions qui vous sont faites. On reviendra dessus notamment sur la vidéo automatique dans une autre vidéo qui sera faite ultérieurement. Si je clique donc dans mon cas présent, on va cliquer sur nouveau projet vidéo. Ils vont commencer par vous demander de nommer votre vidéo. Soyez explicite dans le choix du nom de votre vidéo car c'est le nom que la vidéo portera au moment de votre enregistrement. Donc moi je vais juste l'appeler test cours en ligne et je vais pouvoir faire OK. Au niveau de la présentation de ce logiciel, vous voyez que c'est très explicite, il n'y a pas plein de choses partout sur votre écran. Vous avez une première partie qui se trouve ici, qui est la bibliothèque de projets. C'est notamment à ce niveau-là que vous allez pouvoir intégrer toutes les photos et les vidéos que vous souhaitez ajouter à votre projet. Vous avez ici sur la droite, donc un écran noir, et vous voyez que vous avez une barre de lecture. C'est ce qui va correspondre à la gestion de votre temps, et c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir visualiser ce que donne la création que vous êtes en train de réaliser. Toute la partie basse, qui s'intitule le scénar image, c'est la partie où vous allez pouvoir implanter toutes vos photos, vos vidéos et vos textes que vous allez intégrer pour votre montage. Ici, vous verrez que les choses vont évoluer au fur et à mesure de ce que vous insérez dans votre projet, mais c'est à ce niveau-là que vous allez trouver la plupart de vos outils. Nous avons terminé avec la présentation de cette application. Bien évidemment, c'est juste un tour d'horizon de l'application. Nous allons revenir sur les différentes étapes pour construire votre vidéo dans plusieurs vidéos qui vont venir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.